Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu. Il faut dire que les supporters merengués ne sont pas très très contents, convaincus même, en ce qui concerne les performances de notre ami Kylian Mbappé. Pour Kylian Mbappé, il y a un problème. Bref, il y a un problème avec Kylian Mbappé et les critiques ont déjà commencé contre Kylian Mbappé, qui a joué le match contre Valladolid hier, qui n'a pas marqué de but. C'est vrai que son équipe a gagné 3-0. Federico Valverde a ouvert le score à la 50e minute. Brahim Diaz a marqué le deuxième but à la 88e minute. Et il y a le jeune Brésilien Hendrick qui a scoré le troisième but. Et là, les amis, les gens ont commencé à critiquer. Et on voit que Hendrick est en train de travailler. Après ce match, il est allé voir son préparateur physique pour continuer à travailler. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que Kylian Mbappé... Mais bon, ça peut arriver, hein. On a vu les jeux comme ça arriver, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième journée. Après, bam, ça prend. Kylian, c'est Kylian. Peut-être c'est le moteur diesel. Ça va prendre lors de la Super Coupe. La Coupe, je crois, contre l'équipe italienne, il avait marqué le but. Donc, Kylian, peut-être qu'il est en train de prendre son temps avant d'exploser. On attend de voir. Avec Kylian, je crois qu'il est temps de le mettre de côté droit parce que là, côté gauche, ça ne fonctionne pas bien pour lui, mais de toute façon, Ancelotti, c'est ce qu'il faut faire. Et Ancelotti, en conférence de presse, n'a pas été tendre avec Kylian Mbappé. Changer Kylian Mbappé en cours de ce rencontre, et c'est une bonne idée, mais bon, peut-être Ancelotti est en train de le pousser, d'avoir cet esprit de Hamlet en lui. Elle s'est dit, attends, c'est moi quand même Kylian Mbappé, il faut que cela cesse, moi je peux performer, moi je peux scorer, parce que le plus important avec les attaquants, c'est de marquer de buts. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous? Vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas déjà le terrain où il y a un problème. Non. C'est en plein Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.